Salut à tous, c'est Saren, je suis avec... Coucou. Et on se retrouve sur un jeu trop cool que j'ai déjà tourné l'épisode parce qu'en fait je me suis rendu compte que je m'étais foiré, mais en fait non. Mais en fait du coup je me suis dit je vais le retourner avec Sandar, oui. C'est cool. Oui. Et c'est un nouveau let's play sur un jeu trop cool. Merci à David parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir et ce jeu c'est Pocket Morties de chez Adult Swim Games, l'éditeur de jeux vidéo de Adult Swim, ceux qui produisent Rick and Morty. Voilà, donc ça vient du coup du dessin animé Rick and Morty qui est vraiment trop cool, qu'on aime beaucoup tous les deux. Oui. Voilà, qui est plutôt chouette. La saison 3 est en train d'être d'arriver en français, là c'est plutôt bien. Et ils ont sorti un jeu vidéo. Et j'ai dit, il faut absolument que ce soit sur la chaîne AS Family parce que ça mélange du coup Rick and Morty, qui est un dessin animé qu'on adore. Culture geek trop cool avec plein de références. Et Pokémon parce que c'est une parodie de Pokémon. C'est pour ça que ça s'appelle Pocket Morty. Voilà. Morty's. Simplement. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va jouer. On a un superbe écran de chargement, de menu, je veux dire, trop beau, avec plein de dessins. On a des petits Morty partout. Et donc, il faut savoir que Rick, c'est le grand-père de Morty, celui qu'on voit avec la blouse blanche, là. Et Morty, c'est le petit garçon. Et là, le jeu, en fait, les Rick sont les dresseurs et les Morty, les Pokémon. Pokémon, en gros. Ouais. En gros. Voilà. Donc, on c'est partout. On va vous expliquer au fur et à mesure. Exactement. Et là, on se retrouve dans la cave de chez Rick et Morty. Dans le garage, pardon. C'est une cave, non? Non, c'est un garage. C'est un garage, t'as raison. Donc Morty arrête de faire les 100 pas et passe pas le tournevis. C'est comme au début du premier épisode. Oui, exactement. C'est ça, on lui demande de passer le tournevis. Oui. Ok Eric. Et c'est, le jeu est vraiment trop cool. Moi je l'ai testé un tout petit peu et ça vaut vraiment le coup de s'amuser dessus. Tiens, tu construis quoi Eric? Je fabrique un engin de Morty. Je l'ai appelé le Mortypod. Ça le fait bien. Ouais. Le Mortypod, c'est de là que vient cette musique funky. Ouais, Morty. Mais comme toujours, t'as loupé l'essentiel. Le Mortypod peut aussi collecter des statistiques sur tous les Morty que nous rencontrons. En fait, le Mortypod, du coup, c'est la parodie du Pokédex. Ouais, en gros, c'est ça. Il y a des dimensions partout, Morty. Toutes habitées par d'autres Morty. Ça fait référence, du coup, à un épisode de la saison 2, je crois. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où il y a ils se retrouvent dans un univers parallèle où, en fait, il y a plein de Rick, de copies, ouais. Du coup, forcément, de monde parallèle avec des fois des Rick différents et des Morty différents, quoi. D'accord. Des fois, Morty en fille. C'est des univers parallèles. Quoi. Exactement. Je viens de trouver des données incroyables. Il semblerait que les Morty aient été séparés de leur Rick. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est affreux, Rick. Ouais, c'est normal que nous, Eric, ayons besoin de couper les ponts avec nos autres Morty de temps en temps. Mais ça fait un sacré paquet de séparation. Rick, regarde un portail, c'est exactement le même design que dans les années 3. Ouais. Là, c'est trop bien. Ouais. Un autre Rick, il est venu pour prendre le Mortypad, Morty. Le Mortypad. Et là... Non, je suis là pour enlever ce Morty. Là, on a Rick le mystérieux, quoi. Donc c'est un Rick d'un univers parallèle avec un autre Morty, on voit, avec un chat. C'est un peu la Team Rocket. C'est ça, exactement. Ouais, enfin, la team. La team Rocket. Team Magma, Team Skull dans le dernier, ouais. Mais bon, en tout cas, là, voilà, Team Rocket. Dans le design, il fait penser à Team Rocket. C'est ça. C'est bon, Morty, il n'est pas venu pour le Morty Pot, seulement pour toi. Moi, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me demande, Morty? Il ne veut pas être responsable d'une Rick-catastrophe. Oui, Rick-catastrophe, pardon. Il faut savoir que à chaque épisode, c'est un jeu de mots avec le nom Rick. Exactement, les noms des épisodes. Mm. On va pas vous faire les dialogues sur tout, mais juste sur l'intro. Ouais, parce qu'après, ça va être un peu chiant. On va rigoler, tiens. Si pur, si beau, je le veux. Rick, arrête-le. Quel peau douce. Serait-ce le Morty légendaire. Ça, c'est vraiment drôle. Ça, ça fait référence au Pokémon légendaire. Mais c'est que des références. De toute façon, on va pas vous le dire à chaque fois. Vous allez bien vous rendre compte, mais c'est vraiment drôle. Quoi. Si vous connaissez Pokémon. Très bien, très bien. Rick est encore là pour sauver la situation. Et mon pote, c'est mon Morty. Alors retourne chez toi dans la dimension d'où tu viens. Ton Morty, tu veux dire que tu l'as déjà attrapé? J'arrive trop tard. Eh oui. Ne vois qu'une solution. Un combat de Morty. Rick, ce n'est pas une très bonne idée. Attends Morty, ça pourrait être l'occasion de tester le Mortypad et recueillir ses données. Bien sûr. Des données. Rick, je ne pense pas que je devrais. Ça n'a pas l'air d'être prudent. T'inquiète pas, Morty. J'ai un ami qui peut nous aider. Tout se passera bien. Ouais, en garde. Et c'est parti pour le premier combat. Et c'est vraiment comme dans Pokémon, là. C'est trop bien. Et on a un Morty au chat errant.
contre nous. Et ça, ça me fait vraiment délire. Alors, on a Monsieur Boîte à Caca, qui est en fait l'espèce de personnage qui nous... Ouais, qui... Et puis c'est le personnage qui nous indique un peu tout ce qui va se passer dans le jeu. C'est lui qui se fait office de tuto. Donc là, voilà, il nous explique qu'il faut attaquer, on s'en fout, on va le faire, c'est bon, on fait notre vie, on va jouer au jeu maintenant. Et on fait pas mal mal. On a les... C'est vraiment drôle. Comme mentir aura peu de PV, il sera confus, incapable de combattre, continue d'attaquer jusqu'à ce que tu sois confus. C'est exactement le même principe que Poker. Voilà. Sauf qu'ils ont mis confus. Confus. Confus aux oignons. Confus de... Donc il a fait une attaque de buff, et nous on va attaquer comme un gros porc et on va le défoncer. Et on a gagné des Schmeggles. Schmeggles. Et on a le petit chargement avec la petite bouche de Morty là-dedans. Vaincu, moi, c'est impossible. J'ai entendu la réanimation pour entrer mon Morty. Tout à fait. Allez, c'est la question. Wow, Morty, t'as senti ça? Bleh, c'était énorme. J'ai mal, Rick, très mal. Il a fini de nous avoir, Morty. Il est venu par derrière. Et tout ça, parce que vrai. On doit t'entraîner, Morty. J'ai construit Morty Pad pour des situations comme celle-ci. On doit t'entraîner et recueillir des données pour devenir plus fort. Très bien. Je ne pense pas que je devrais me battre, Rick. Il est souvent comme ça. Il se fait martyriser à mort dans le dessin animé, là, c'est pareil. Il le faut, Morty. Comment vais-je mener mes recherches si tu ne te bats pas? Ouais. Ces mecs pourraient revenir avec une armée de Morty. Si on ne récolte pas de données dans le Morty Pad, on ne pourra pas le battre la prochaine fois. Tu dois le faire, Morty. Tu dois te battre pour la science. Tu es le seul capable de nous sauver, Morty. Il a dit Morty, je sais pas combien de fois. Ouais. Mais c'est la seule solution, Rick. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a pas, Morty. Cette idée ne me plaît pas plus qu'à toi, mais c'est la seule. D'abord, on doit savoir ce que mijote sur Rick, Morty. Vite, suivons-le, crâne sous portail. Bon, bah, l'introduction voilà, est terminée. On va arrêter. Ouais, on va arrêter. Donc là, on est dans la dimension de Rick le mystérieux et on est parti. C'est comme un Pokémon. Les herbes sauvages. À part que, on peut. Alors, j'ai regardé dans. Oh là, il dit, ouais, il y a un objet. On s'en fout. En fait, moi, le réflexe d'un joueur de Pokémon, c'est que je suis allé dans les hautes herbes pour voir, et en fait, il n'y avait rien. Ah ouais, voilà. Et là, on a des petites indications qui ne vous servent à rien. Il a appuyé sur le A pour choper l'objet. Et on a une puce manipulatrice de Morty. Et en fait, ces puces vont nous servir à attraper des Morty sauvages, comme les Pokéballs. D'accord. On dirait une version plus crasseuse de moi. Et c'est trop marrant. En fait, du coup, les Pokémon, les Morty, on les voit. C'est pas, ils sont pas dans les herbes, et en fait, faut leur courir après, ils se fatiguent, et du coup, on peut les choper. Parce que là, il va courir, donc on va courir, aussi. Bon, on va laisser courir, ah c'est bon, il est fatigué, on l'attaque. Et là, on a un Morty débraillé. Allez, t'as pas expliqué les types, du coup? Non, mais c'est après. Ah, c'est après, non, parce que je le vois. Ouais, bien sûr, mais effectivement, on a des types. Vous allez voir, là, il y a type pierre, nous, on est type, je dirais, normal, du coup. Ouais. Ça correspondrait au type normal de Pokémon, qui est un type un petit peu... Donc on peut utiliser voilà, la puce manipulatrice pour essayer d'attraper. On en a une. Et BAM! Ça fait une grosse puce sur le cou ou je sais pas où. Et voilà. Et on l'a chopé. Et on a un nouveau Morty dans l'équipe, le Morty débraillé. Qui est effectivement de type pierre. On verra qu'il y a trois types dans lesquels Morty, ouais, pour l'instant, de ce que j'ai compris. On va pas les dire. Mais bon, s'il y a le type pierre, vous dites c'est un peu comme les types de Pokémon, type roche et tout. Ouais. Vous allez voir, pas du tout. Donc on a chopé un Morty, et ce qui est plutôt cool, c'est que ça fait la même chose que dans Pokémon jaune, la réédition de... Bah, la réédition. Le Pokémon qui est sorti après rouge et bleu. Dans Pokémon jaune, on avait le Pikachu qui nous suivait. Et là, c'est pareil, on a les Pokémon qui nous suivent derrière nous. Ah. C'est plutôt sympathique. Et là, on a, attention, un dresseur de Morty. Un dresseur de Morty. Ouais, c'est ça. Ah, il a même un petit badge, tu vois, un petit badge de Morty. C'est pas trop, c'est pas Rick en fait, le massicalé. Non, il y a plusieurs Rick. En fait, les Rick, tu vas voir, c'est pour gagner les badges. On bat les Rick pour gagner les badges. Ouais. Comme la ligue des dresseurs Pokémon. Et là, on a un Morty moustachu, donc qui est le type ciseau. Et c'est là qu'ils vont nous apprendre justement que bah, le type ciseau, du coup, la type pierre est meilleure, comme dans Pierre Feuille Ciseau en fait. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc, du coup, on va aller chercher notre Morty débraillé de type pierre qu'on vient d'avoir. Donc, pour attaquer le Morty moustachu. El mustachos. Il est utilisé peigne comme attaque. C'est pathétique parce que du coup, mettre c'est pathétique parce que l'attaque fait peu de dégâts, comme dans Pokémon. Et nous, ça veut dire c'est sensationnel. Ouais, c'est-à-dire c'est très efficace. C'est ça. Pokémon. Et c'est ricanement, n'importe quoi. Le nom des attaques est assez marrant. Ouais. Claquement. Nous, c'est claquement. Il a 1 PV quoi.
Ricanement qui nous fait baisser notre attaque. Ouais. Il y a des attaques comme voilà, dans Pokémon, des attaques vraiment offensives et des attaques de debuff ou de buff, justement. Rien à voir avec les animaux, genre les vaches. Petite blague au calme. Et les Schmeckles, 60. Et un sérum pour soigner. Exactement. Tu es fort, hein. Eh oui, il faut collectionner les badges comme dans Pokémon. Et du coup, là, on a une quête qui a été remplie, et on a effectivement la zone, on a attrapé le Morty, on a rempli la quête, c'est marqué en haut à gauche, et il nous reste le badge de Rick à choper. Et voilà. Voilà. Tu peux gérer les Morty, voilà. Donc là, il nous dit qu'on peut gérer les Morty dans notre équipe, et gérer les objets, et on va essayer de guérir. On va aller dans le Morty Pad, voilà, qui est un espèce de HUD, en fait, où on a notre équipe de Morty. Voilà, avec, voilà, on peut avoir jusqu'à 5 Morty. Contrairement à Pokémon, où c'est 6. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était déposé au niveau des droits, le fait d'avoir 6, je sais pas. Et là, on a un sérum, donc on va effectivement utiliser ce sérum sur notre petit Morty débraillé. Ah, sur débraillé. Bah, c'est mieux. Normal. Ouais, parce que le... je vais le mettre en premier dans l'équipe. Parce qu'il a un type. D'accord. On a la galerie des Morty, qui nous montre tous les Morty à capturer dans le jeu. Et ah, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, là, on a rencontré déjà le Morty moustachu. Donc ça, c'est le Pokédex. C'est le Pokédex, exactement. Et on va pouvoir voir combien il y a de Morty. Alors, on en a vu 4, on en a attrapé 2. Et j'aimerais bien... Mais alors, c'est très long de descendre jusqu'en bas. Et on a quand même... 178. 178 Morty, en sachant que le premier Pokémon avait 151, donc... Ah, il y en a... Il y a quand même beaucoup de Morty. J'ai hâte de découvrir, quoi. Voilà. Rick le Vendeur, c'est des trucs pour personnaliser son Rick. Parce qu'on pourra personnaliser notre Rick. Excellent. On a des quêtes. Alors ça, j'arrive pas trop bien à comprendre. Des quêtes, je n'ai pas vu encore, je crois. Les paramètres et les badges et trophées. Donc, on voit qu'on a apparemment... Zéro badge, hein. Tout ça de badges à avoir. Et zéro badge, effectivement. Et là-haut, je ne sais pas les petits ronds les ce que c'est. Non. Et les trophées, alors les trophées, c'est des espèces de succès, je crois. Ouais. Voilà. On les a pas encore. Donc, pour l'instant. On verra. Exactement. Et donc, on va aller, aller dans les Morty pour changer l'ordre et mettre notre Morty. Mon Morty avec la pierre en premier. Parce que j'aimerais avoir un Pokémon de... avec un type. Allons voir ce Morty, ce Rick. As-tu précisé que du coup ce jeu est sur Android? Non, Android et iOS. Pour ceux que ça intéresse. Pas sur PC. Non. C'était un émulateur. Exactement. Oui, on est défié par Rick le Mystérieux. Il est déjà venu avec son Rick le Morty au Chaéran qui est de type ciseau. Ouais, que j'ai vraiment envie d'avoir. Ah, j'aimerais bien aussi le Morty au Chaéran. J'en ai croisé des mieux. Hein. J'ai joué, moi, j'ai fait un épisode d'une demi-heure déjà. De... Je recommence, du coup, j'ai joué, j'ai croisé des Morty vraiment cool. Et du coup, j'ai bien envie. Maintiens le bouton enfoncé, il m'a dit pour voir les statistiques de l'attaque. Oui. On pourra le faire juste après pour vous montrer très rapidement. Que goofy. L'attaque de l'ennemi. Alors, allez, hop, je vais la faire attaquer et je maintiens sur claquement. Et voilà, je vois qu'elle a puissance 45. Ah ouais, quand même, précision. Et 95% de précision, ce qui est très bien. Ah. Et voilà, j'ai battu son Morty au Chaéran. Et j'ai gagné de l'XP. Et je suis presque au niveau 6. Ouais. Et j'ai gagné le badge de cette zone, et des Schmeckles, et de sérum, et de pierre plutonique. Bien. Voilà, il me dit que voilà, il me donne le badge. Et il me donne un portail pour rentrer à la maison. Ça c'est cool. Sauf que c'est pas la maison. Oh mon dieu, ce n'est pas le garage. Ce n'est pas le garage, mais non, c'est pas le garage. La citadelle d'Eric, qu'on voit dans l'épisode justement... Avec, là, on a Crick 4 qui veut nous arrêter, mais voilà, on a le conseil d'Eric et tout, hein. C'est vraiment marrant, comme dans le Pokémon, le conseil, de... ça fait trop marrant. Et t'as vu, il a une espèce de banderole best, avec un Rick dessus, c'est trop marrant. Et il nous prête notre piste au portail, alors ça, c'est vraiment pas sympa. Pas gentil. Eh, c'est pas sympa. Et c'est pas sympa. Voilà, alors là, il nous explique, je vais passer, parce que si vous voulez voir tous les dialogues, vous jouerez au jeu, forcément, et puis je pense que vous pouvez les lire ça va être trop en direct. Et en fait, là, du coup, il nous dit qu'on a utilisé le pistolet portail dans une zone interdite pour les pistolets portail. Du coup, machin, si on veut le retrouver, il va falloir battre tous les Rick. Parce que, un peu comme les quêtes de Pokémon, ça n'a aucun sens. On comprend pas pourquoi on part faire l'aventure. Là, on comprend pas pourquoi on doit aller battre tous les Rick pour récupérer notre pistolet portail. Ça n'a pas de sens, mais écoute. Okay. Ils vont nous envoyer, en tout cas, il nous dit qu'on aura les badges et il va nous envoyer dans un. Si t'as des gars, c'est vraiment délicat. Il va nous les envoyer dans. Il va nous envoyer grâce à un portail dans. Une zone où on peut combattre. Voilà. D'accord. Et on va aller guérir. Et là, on a le Morty le débile. J'aimerais trop pouvoir le perso. Rick le débile, pardon. Rick, Rick. Et j'aimerais trop. Le pouvoir... débloquer. On va pouvoir, avoir les objets comme lui. Là, on a un Rick. Qui est le Morty. Un Morty. Morty la peluche. Et t'as vu, c'est un Morty dans une peluche. Ah, d'accord. Trop bien.
C'est trop bien, je trouve. On a la crèche des Morty et le centre de soins. Alors, le centre de soins, bon, on soigne nos Morty. Forcément. Avec Rick le chirurgien. Et normalement, on a une belle musique dans Pokémon. C'est... Voilà. Et donc, on soigne nos Morty. Cool. Et là, on a le personnage qu'on adore dans le dessin animé. Ouais. Vraiment trop cool. On a une poubelle. Alors, attends, j'ai pas fouillé cette poubelle, non. Ah non, ok. Parce que dans les Pokémon, il faut toujours fouiller les poubelles, parce qu'il y a des trucs. Ouais. Et là, la crèche des Morty. Ça me fait trop marrer parce qu'on voit des Morty du coup différents. On a un Morty à 3 ans, un Morty barbu, un Morty costaud là. Et c'est comme dans Pokémon quand on va mettre ses œufs ou. C'est Pokémon plutôt pour faire pour qu'ils fassent des œufs et tout, et c'est trop marrant. Donc, et du coup, ils font quoi les Morty dans la bah, ils les font monter en niveau, je pense, comme dans Pokémon. Ah. Ils montent en niveau de, en fait sans que tu les. Donc là, on peut fabriquer des trucs. Alors, j'ai pas. Il y a un chapeau de Rick. J'ai pas encore trouvé comment faire. On peut fabriquer des objets en combinant des objets. Alors, j'ai pas trouvé les recettes. Du coup, on les voit pas parce que justement. C'est marqué objet plus objet, ouais. En fait on les débloque en testant des trucs. Et j'ai essayé de mettre des objets la dernière fois, j'ai vraiment pas trouvé, donc pour l'instant, ben, je peux pas trop savoir. Donc on va directement... Alors, après il y a des trucs un peu payants dans le jeu, donc il y a des trucs où on peut faire la bourse, on peut mettre acheter des objets, mais c'est payant, il y a des distributeurs partout. Ouais. J'aimerais bien acheter, je sais pas si je peux acheter des trucs. Ah, ok, ouais. J'ai pas le droit. J'aimerais bien acheter des Pokéballs, bah des puces de Morty, mais je ne sais pas du tout si on peut. C'est la réflexion qui m'était faite dans le dernier épisode que j'avais tourné, est-ce qu'on peut en acheter ? Rick le vendeur. Bah le Rick le vendeur en fait, bienvenue chez Rick le vendeur. Et lui en fait, il te vend du sérum et des pierres plutoniques. Ah, et il te vend pas de... Peut-être pas encore. C'est ce que je me suis dit, parce que c'est hyper dégoûtant, Pokémon, parce qu'on va aller dans une zone où il y a des Morty différents. Et tu vois là, on peut débloquer des Rick. Ah, trop bien. Et on en a des Rick, et on a justement Rick à tête plate, Rick moustachu, Rick le nageur. Et par contre, il faut soit avoir des tickets, je crois qu'il faut les acheter. Ah, ça, et c'est acheté, ouais. Voilà, et des Schmeckles. Alors peut-être qu'on peut en acheter avec des Schmeckles, mais en tout cas, pour l'instant, on a 180 Schmeckles, ça coûte quand même 2000 une tête, quoi. Non, donc, les skins, là, c'est. Ouais, donc. Pas mal de jeux Android, c'est ça en fait. Il va falloir payer. Le vrai argent, peut-être ton argent un peu. Mais... Ouais, mais souvent, il y a des jeux Android où tu peux t'en sortir en dépensant beaucoup d'argent dans le jeu pour acheter. Tu vois ce que je veux dire? Je connais plusieurs jeux comme ça, hein, quand même, qui te permettent de le faire, mais il faut vraiment farmer, quoi. Tu vois, en mode, ok, mais vous avez, c'est pour faciliter la vie, en fait, que tu peux... Et les jeux de Morty, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis pas encore allé. Les jeux de Morty, portail. Ok, on va aller voir, hein. Bah ouais, putain, mais vas-y, ouais. Casse-toi. Ah, c'est fermé. On est encore bas level. Donc on va aller dans le portail, mais du coup, on croise plein de Morty qu'on a trop envie d'avoir, des Morty sauvages contre qui on peut se battre. D'ailleurs, faut se battre contre eux, comme ça ils rentrent dans le Pokédex, quoi. Mais après, c'est logique, quoi, tu vois, mais comme dans Pokémon, quoi. Mais après, le problème, c'est. Ah, c'est que j'aimerais bien les avoir, quoi. Ça ferait une équipe plus grande. Les Morty. Il y a plein de personnages différents. On croise beaucoup de Rick à peluche ici. C'est assez marrant. Il y a quoi en bas, là? Il y a rien. Ah, on a un Morty trop chelou. C'est un Morty, ça? Ouais. Ah non. Non, c'est un mec. Ah, il y en a plein d'aliens comme ça qui parlent et on comprend rien. C'est assez drôle, et du coup, bah non, on va y aller. Allons dans la zone. Alors après, c'est peut-être fait exprès qu'on puisse pas les attraper, mais moi ça me dégoûte un peu. Parce que je sais pas si on peut retourner plus tard. Va le Rick dans cette dimension pour gagner notre badge et apporter un membre du conseil. Voilà. Pour qu'on puisse affronter un membre du conseil. Ok, donc c'est aléatoire parce que la dernière fois, quand j'avais pris le portail, j'étais pas du tout dans une zone comme ça. Ah ouais ? Ah, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, on va se battre contre un dresseur. Bah ouais, allez. Go. Ah bah ça, c'est comme... Un peu comme... C'est pas exactement. Et puis normalement, on a... Morty décolleté. Et type ciseau, c'est cool. Déculotté. Ouais, j'ai appelé déculotté, bon voilà. Et là, je pense qu'on va gagner un niveau en plus, en le battant, parce qu'on est vraiment presque au niveau 6. Ah ouais, il est tous épais, il y a encore. I tried my best. Et on l'a battu en deux coups. Bien. Peut-être fait un critique ou je sais pas. Et on a atteint le niveau 6. Oui. Est-ce qu'on a pris une attaque au niveau 6? Je ne me rappelle plus. Oui, ouais, réparation. Et on a gagné 64 Schmeckles. Et t'avais des stats sur le côté, mais t'as plus trop vite. Non, mais ça monte, ouais, ça monte. Après, après, je crois pas qu'il y ait trop les IV dans le jeu, tu vois. Je crois pas que ce soit non plus du Pokémon super. What? Oh, ah, tu vois, là, on a un Pokémon sauvage, un Morty sauvage, et on va pouvoir l'attraper. Et c'est dégoûtant. Pourquoi tu peux pas... Bah, j'ai pas de Pokémon. Ah, Morty tenue de peau.
Tenue de peau. Il y a une tenue en peau, c'est trop bizarre. Ah. Ok, on va changer de Morty. On va prendre de Morty. Où ça, Morty légendaire alors? Méditation. D'accord, ça fait quoi méditation? La défense de Morty a diminué. Oh non, 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 non. Ok, on va utiliser explosion. Ouais, wow, il m'a fait mal. Wow. Explosion, j'ai raté mon attaque. Très bien. Il y a quoi comme stat pourtant? 95% de réussite, putain, on a vraiment eu pas de chance. Hein. Mm-hmm. Oh là là! Allez, explosion. Il va tuer ton Morty. Ah ouais. Mort. Objet. Allez, on va se prendre un petit sérum. On va soigner notre Morty. La pierre plutonique, c'est quoi? Je n'ai pas trouvé d'utilité, donc je suppose que c'est pour fabriquer des objets en la combinant, mais... Et quoi, dans le menu, c'est écrit quoi, en fait? Je vais te dire ça. Dans le menu, là, il y avait des trucs d'afficher. Oui, dans objet, oui, c'était écrit. Ah, c'est chaud, hein. Alors, objet, il y avait des trucs d'afficher... On monte la moitié des PA de toutes les attaques. Ah oui, non, je confonds avec un autre objet. Excuse-moi. Oui, tout à fait. C'est qu'on a plus de PA parce que on peut utiliser que 12 fois l'attaque, là on est à 9. Ah oui, d'accord. C'est comme dans les Pokémon en fait. Sinon, faut se faire soigner au centre de Pokémon pour. D'accord. Ah oui, c'était ça, t'aurais... Bon, on va utiliser notre, un autre sérum, hein, ça fait court. Autant pas user notre Morty débraillé. Directement injection dans le crâne, ouais. C'est bien fort. Mais arrête. Allez, il va encore m'attaquer en avance, il est plus rapide. Ouais. Il est plus rapide, hein. Son attaque est rapide. Oh, ah, c'est vache. Bon. Non. Je vais filmer de fuir, tu sais. Oh. Oh. Allez, oh, chaud, il hein. s'est battu. J'espère qu'on va avoir un sérum. Allez, c'est un tube de jus turbulent. Tu vois, c'est des objets comme ça qui, je crois pas, servent à quelque chose, mais. Bon, on va voir ça tout de suite dans le Mortipad, quoi. Mais. Objet. À appliquer généreusement pour rendre certaines choses plus pures et plus dures. Tu vois, c'est pour des. Voilà. C'est tes invitations et pièces, tu vois. C'est pour. C'est pour justement. Exactement. Et du coup, on a voilà des trucs comme ça, là, ici, pour fabriquer des objets. Bah, après, c'est le truc, le côté un peu scientifique de Rick and Morty. En fait, tu. J'ai trouvé quoi là? J'ai trouvé un objet, ok. C'est un Morty ça? Ouais, apparemment, un Morty plante. Morty jeune pousse. Morty jeune pousse type papier! Chaud! Je vais fuir. Ah bah... Je sais pas s'il rentre dans le Pokédex quand même si on fuit. Ouais, je pense. Théoriquement, oui. Théoriquement, il rentre dans le Pokédex, donc pas de soucis. Soit on se. Ouais, on va se battre contre un dresseur quand même. Ouais, on va se battre, il faut se battre. Je donne plus d'infection à mes Morty qu'à mes propres enfants. Ok. Toujours le petit dialogue qui est trop marrant aussi au début de chaque combat dans un premier. Morty la fraise. Putain. C'est un papier, c'est un papier. Ça va être chaud. Après, niveau 5. Ouais, mais je suis niveau 2. J'ai 2 PV, je veux dire. Bon, bah. Je crois qu'on va faire l'enfeu, hein. C'est. C'est l'attaque du mignon, comme ça. Allez. Ouais, voilà. Ah, il y a des chances que je perde, hein, mais ça c'est toujours comme ça dans Pokémon. On perd souvent. Allez, Morty. Ouais, ma petite pierre, ça va rien lui faire. Allez, Morty. Ouais, ça. Germe, ça fait quoi? Défense de Morty a diminué. Et. Ma précision a diminué. Et mon attaque. Et ma vitesse augmente. Okay. Et mon attaque a augmenté, d'accord. Ah, ma vitesse. C'est quoi la réparation? C'est pour, je vais te dire ça. Oh, putain. Super long en plus ce truc là. Je vais te dire ça. J'adore les sons sont vraiment géniaux. Réparation, c'est un buff d'attaque. D'accord. Ah. C'est pathétique. Exactement. On va pas faire long feu, je crois pas qu'on va réussir à le battre. Si on arrive à le battre, c'est vraiment qu'on a de la chance. Allez. Ne déconne pas, mais non, je peux pas le battre en un coup. Voilà. Ah putain. Est-ce qu'il y a réparation? Bah, je vais perdre un tour d'attaque. Voilà. Voilà. Non, c'est pas possible. Ah, putain, un point. Un bébé, putain. Bah ouais, mais c'est normal, je tombe que sur des petits papiers en fait. Et ça, c'est bizarre, j'étais pas du tout comme ça.
Voilà, voilà, il y a le Mr. Oiseau sympa là qui nous amène dans son oiseau. Ouais, c'est marrant. Ah, tu chantes du Billy Madison pour le Mr. Oiseau. Tu sais, je regardais, je te... Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, c'est pareil. Alors, je pense qu'il faut faire guérir. J'ai pas vu s'ils étaient guéris, en fait. Donc, ça va être assez compliqué. Et le truc, c'est que je crois vraiment pas qu'on peut avoir de... Parce que là, bip, ces trucs... voilà, faut mettre des coupons. Ouais, pour avoir des trucs, pour acheter des... Pour avoir des mortiers aléatoires, je crois. Donc, c'est un peu chaud, ça va être un peu compliqué. Bon, on va retourner dans la zone. Fabriquer, ça va être un peu chaud parce qu'on a vraiment pas... On a vraiment pas assez d'objets pour fabriquer des trucs. Ouais, on va essayer d'y retourner, on va voir. On va essayer d'aller battre le... On va surtout essayer plutôt d'aller battre... On est dans une autre zone. C'est aléatoire à chaque fois, c'est cool. Ah, c'est étonnant. Ah, c'est cool, oui et non, parce que du coup... Ah, c'est chaud, parce que du coup, ça veut dire que c'est pas comme dans Pokémon, c'est-à-dire qu'on peut pas y retourner, et les dresseurs qu'on a vaincus sont plus vaincus, quoi. Oh. Ah, il y a un objet par terre. Ah, pour y aller, pas, ouais. Si je passe là, ça passe. Ok, on peut éviter. Plutôt cool. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Dashmakers. Une pierre plutonique. Un câble. Ok. Donc je sais pas s'il faut trop... Là, faut que tu fasses un... Je pense qu'il faut directement aller au... Ah, il y a un morti trop chelou. Il y a une pile là. D'accord. Ouais, tu l'as trouvé. Quoi, c'était un dresseur ça? Putain, mais je savais pas que c'était un dresseur ça. Ah ouais, d'accord, ouais. C'était une espèce de bloup bloup. Hein? C'est quoi son morti? Baloubine. Morti Exo Alpha. Ah, what the fuck, je le veux. Il est trop beau celui-là. Ouais. Claquement. Ah, je suis content, type ciseau, je suis content. Ça fait plaisir. Et en plus, les attaques sont de type aussi, hein. C'est comme dans Pokémon. Tu peux être un type normal, mais avoir des attaques de type. Ça peut arriver. Donc là, on a bien type pierre. Donc, soit il me fait une attaque qui est pas. C'est pas marqué ridicule, parce que soit il me fait une attaque type normal ou un truc comme ça. J'ai des schmeckles. Yeah. Peut te faire voir. Ok. Ok. On n'a pas de. On n'a pas d'objet, hein. Du coup. Non. Ça va être chaud, on peut pas soigner ces mortis. Alors attends, va falloir aller par le bon endroit parce que là on a un dresseur. Ouais. Dans un morti qui est en forme de bulle. Ah, tête de nuit. Oh là bah, tête de nuit, ouais. Donc soit. Oh, putain, c'est chaud parce que là. Allez, il y en a deux. Non, là on peut passer. Non. Ah, si, je pouvais, sans... je pouvais passer. Mais le problème. Ah, d'accord. Ah merde. On va jamais réussir. Un morti débutant en pierre-pierre. Chaud. Il est en flic. Ouais, vraiment. Il est en flic, c'est vraiment. C'est un bleu. Ouais. Oh, ça va être chaud là. Oh ouais, la vache, coup critique. Chaud. Ok, niveau 4, c'est pas grave. Ça va être super dur parce que du coup, on va être. On va être avec un seul morti pour battre Rick, le Rick de la zone. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ouais. On va essayer. Ah. Eh oui, c'est comme ça. Et on n'a pas d'objet. Il faudrait nous donner de quoi soigner notre mortier de base au moins. Ouais, c'est bien. Donne-nous une potion là. Tout fait. Schmeckel, c'est un sérum. Ah. Ok. Ah, l'autre il tourne. Ah non, c'est le mortier qui tourne. Oh, il est trop cool ce mortier là. Classe. Un câble. Ok. Oh putain, on a un morti moustachu en plus, je peux pas le choper. Oh, c'est chaud. Là, on peut pas monter, je suppose. Mais le truc là, on peut pas les passer. Donc, c'était bien par la droite qu'il fallait aller. Parce que là, le bip et truc, c'est encore un truc voilà, où faut payer. Ok, ok. Allons voir ça. Donc, il va falloir qu'on aille par là, mais du coup, il y a un dresseur. Ça passe, ok, c'est passé.
Ok, et on a le RIC là. Ok, super, ça passe. Très bien. Là, c'est encore un bibétruc. Il y en a partout des trucs bibétrucs pour Ouais, c'est acheter. vrai que t'as vu en fait. Non, non, non. Si. Mais non, pas du Ah tout. bon? Pas du tout. Non, je suis en dessous. Ah, Un tu peu peux partout. t'entendre. Ok, donc là, on a le RIC de la zone qui est un RIC. Ouais, la classe en Ouais, plus. trop stylé. Je regarde un peu autour à voir s'il y avait des objets, on sait jamais. J'hésite entre le soigner maintenant ou pas. Ouais, je vais le soigner maintenant. Même si du coup, ben, tu vois, ça restaure 20 PV. Mais je préfère qu'il soit au niveau maximum. Pour se Parce que là, on peut pas l'utiliser sur lui, voilà. C'est logique. Parce que ça restaure 20 PV, tu vois, donc j'aurais pu le faire à la fin, quoi, mais j'aurais perdu un tour. J'ai même utilisé un truc pour restaurer les attaques. ça. Voilà. Et donc comme ça, au moins, on est au top. On va Oui, essayer de mon battre ce Rick. Ça va être chaud, chaud, chaud. Rick de Miami, trop Ah, classe! c'est J'ai quitté la base pour ça. énorme. Ok. On va conclure l'épisode sur le combat. Le reflet, c'est Ouais, trop... Ungrief Ah! Apple, très bien. Morty, le publicitaire de l'espace. C'est un type papier, donc on a la chance de pas être avec le Rick Pierre. Ouais. On va essayer de le battre. Et je sais pas si ça va bien Plus de marcher. PV, il a un niveau de plus. Waouh. On est bien dans la merde! On est grave dans la merde. Ah. Ah ouais, je sais pas du tout pourquoi on n'arrive pas à le battre ainsi. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on arrive dans une zone aussi dure. La Ah, fin d'être ah ouais, comment ça se fait? C'est chaud. chaud. Putain, comment ça se fait que ça fait ça? Vache, 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 vache. Comment on va faire pour le battre? Comment on va faire? Parce qu'on peut pas s'entraîner. On peut pas faire gagner. Si, on peut faire gagner du niveau à nos mortiers en fait. Faut qu'on fasse gagner du niveau à nos Ouais. mortiers, hein. Faut qu'on batte les dresseurs, tu vois, quitte à mourir et à revenir à chaque fois, tu vois. Ah mais ça change de... Ouais, on s'en fout. On Ah bat des ok. dresseurs et on Ouais. monte en niveau, tu vois. En fait. Moi je vois ça comme ça, hein, parce que là, ça va être vraiment dur. Donc nos mortiers sont soignés. Bah écoute, on va réessayer de la fois la zone au prochain épisode et puis on verra bien si on arrive à battre ce dresseur de Putain, mortiers et de pouvoir avoir des puces électroniques pour pouvoir choper des mortiers, surtout oui, des mortiers, Mortier parce que j'aimerais bien sauvage. avoir des mortiers. Mais Oh! oui. Bon, J'en ai plein. gros bisous, laissez un gros pouce bleu si l'épisode vous Ouais. plaît, puis nous on continue, on vous en tournera un deuxième, et puis j'espère Voilà. que ça vous plaira, et puis moi je pense que oui, c'est plutôt cool comme jeu, voilà. Ouais, mais oui, laissez vos Partagez, laissez des commentaires, commentaires. ça fera Voilà, plaisir. Ciao! exactement. Salut!